Thank you.
Caro, madame la marquise, parlez-vous, ne faites jamais fort. Parlez-lui, ce noir est si surprise, hélas, si vive de l'homme. Et Michel, respecte rien, les prix de France, les prix de France, les prix de France.
c'est terrible, français. Oh, ils ont séjourné 2 mois sur la frontière. Qui diable pouvait penser qu'ils se mettraient en route le jour où Madame la Marquise quittait son château pour passer en Autriche? Oh, Pansius, j'ai eu tort de partir, de céder à vos conseils, mais vous trembliez de peur. La peur, Madame la Marquise, la peur. Où a-t-il déjà été victime de la guerre? Oh, mais la Marquise a déjà été victime. Mais dans cette panique de mes rangs, qui vit tous nos villages en fuite, un affreux malheur. N'interrogez pas, elle s'évanouirait, ça ne monte jamais. Moi, la dernière des Birkenfield. Si j'allais de nouveau rencontrer ce régiment... Oh, je serais là pour vous protéger. Oh, avant de prendre ma partie, j'ai besoin d'être rassurée. Vous voyez, s'il n'y a pas de danger, je vous attends un peu plus loin. Et veillez bien sur mes bagages. Oh, mes amis, mes chers amis, ne me quittez pas. Je vous confie mon honneur. Moi, un pacifique perdu au sein des horreurs de la guerre, je tremble horriblement. Alors, du courage, on est homme, que diable. Si je devais me retrouver face à face avec un de ces enragés de Français, je lui dirais... Et qu'est-ce que tu lui dirais, ce Français? Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je faisais par hasard, hein. Ah ça! Mais il n'y a donc que les poltrons dans ce pays-ci! Je ne suis pas du pays. Je voyage avec ma maîtresse, une grande et noble femme, qui va repartir si vous le voulez bien. Sans âge! Sans âge. Accordé! À propos, nous venons mettre la paix partout! Protégez les hommes quand ils vont au pas, et les femmes quand elles sont jolies. Merci, mon officier. Sergent! Quant à ceux qui s'embusquent dans la montagne pour continuer la guerre contre cette bavarois, ils n'ont qu'à se faire français. Mais oui, mon officier. Sergent, allons, volte-face. Je cours prévenir Madame la Marquise. Mais pourquoi m'appelle-t-il sergent? Mais qu'est-ce qui nous arrive là? C'est Marie, la perle, la gloire de notre lumière. La voilà, mon Dieu, qu'elle est gentille! Est-il heureux notre régiment qui possède une telle fille? Mon régiment, j'en suis fier vraiment, c'est lui dont l'amitié s'inscrève, a veillé sur ma jeune femme! N'est-ce pas? C'est lui seul qui m'a servi de père, de famille et de parent! N'est-ce pas? Aussi, Socorro de la gloria!
ou de nos bivouacs. Quel beau jour! Où tu dormes paisiblement? On recommande à tous ses pères le respect. Au jour de fête ou de ramage, on me trouve chardin. Pour plaisir à tout le courage, vous serez la main du vainqueur. Qui vous excite et vous lutine, créez, c'est encore notre enfant. C'est le président, mon père, la preuve de ma capacité, m'a fait passer vivre l'hiver. Nommé à l'unanimité, mon frère, vivre l'hiver, nommé. Oh, hier, j'ai bien vu qu'on essuyait une larme et puis qu'on caressait ses grosses moustaches. Ah, j'avais cœur serré. Il y a 12 ans, je traversais ces mêmes montagnes avec de braves camarades. De ce temps-là, Marie, il ne reste plus que moi. Et toi? Nous sommes les plus vieux grenadiers du régiment. Je m'y vois encore. Les Autrichiens fuyaient. Tout à coup, sous les pieds des chevaux, nous apercevons un petit enfant abandonné qui semblait nous sourire. C'était moi. Et le régiment m'adopta, je devins la fille du régiment. Élevé avec nos économies, ça se transmet de grenadier à grenadier. Les soldats s'en vont, mais le régiment reste. Et les conscrits qui nous arrivent te disent en défilant la main au bonnet. Bonjour ma fille. Et tu leur réponds. Bonjour ma mère. Bonjour ma fille. Bonjour mon père. Allez, avec ça, il n'y a pas eu moyen de retrouver ton pays, ta famille,
Et cela, malgré la lettre trouvée auprès de toi. Aussi, nous remplirons à ton égard tous les devoirs de la paternité. Mon bon Sulpice. Et quand ton cœur aura pris sa feuille de route, ton père, le régiment, s'assemblera en masse et s'occupera de ton établissement. Au sens, ça presse pas. Comme tu me dis ça. Les camarades racontent qu'au dernier campement, ils ont vu... Ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si fait, je peux rien te cacher. Un jour, je m'étais écartée du camp et je courais dans la montagne pour me cueillir un bouquet. Et tout d'un coup, j'ai glissé sur un rocher. Oh mon Dieu! Dans les bras d'un jeune homme. Oh mon Dieu! Un chaland! Un tyrolien! C'est du joli! Un tyrolien! Un ennemi! Une jeune fille ne doit tomber que dans les bras de son père! Mais je pouvais pas rester en l'air en attendant le régiment! Et tu l'as vu? Oui. Le matin, le soir, il était là, me suivant, me guettant. Il osait à peine me regarder en me parlant alors. Oh, ben, imbécile! C'est très maladroit de fréquenter un ennemi qui nous tire au chute comme des lapins. Il a l'air si bon et si honnête, alors... Reste, comme tu le défends, tu m'as joliment l'air de passer à l'ennemi avec un bagages. Quand le régiment s'est remis en route, il m'a fait ses adieux. Nous ne nous reverrons plus. C'est promis? Oh, oui, alors. C'est juré. Mais qu'est-ce que j'entends là? Mais ce sont les autres qui viennent nous chercher. Je cours enlever ma cantine, adieu mon père. Allez, mon fils. C'est l'étranger qui t'aime. Ah, pour mon cœur, quel trouble extrême. Il vous emmène parmi nous. Puis-je y chercher d'autres secours? Je vais me rapprocher de celle qui m'est chère. Allez, allez, pour fêter le sauveur de notre enfant, de notre fille, vivons tous, très bon à son libérateur. Très bon à son libérateur. Un père de Rome, c'est fête de famille. À la barrière qui va devenir compagnie. Jamais, jamais, plutôt briser mon verre. À la France, à mes nouveaux amis. À la France, à la France, à mes nouveaux amis. Pour que la fête soit complète, tu vas nous dire, mon enfant, notre ronde du régiment.
et ne plaisante pas avec le règlement. Moi, garçon, hors d'ici. Il est mon prisonnier et je réponds de lui. Je les suivrai. Nous sommes agiles, savez-vous, mademoiselle, dans ce pays. Et je n'ai pas risqué de venir me faire tuer par vos Français pour venir faire la conversation avec eux. Le vieux, surtout, a une figure avec des moustaches. C'est mon père. Le vieux, c'est votre père? Alors, je me trompais, je voulais dire le tout petit, là, qui était là. Le tout petit, c'est une fille, là. C'est encore mon père. Le petit, là, c'est votre père? Eh bien, alors ce sont les autres. C'est toujours mon père. Madame, mais vous avez tout un régiment. Juste le régiment, mon père adoptif. Eh bien, ce sont de braves gens. Mais n'empêche que sans vous, tout à l'heure, mademoiselle, je... Mais aussi, pourquoi venir près de notre camp? Nous devions ne plus nous revoir. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens vous dire que je vous aime. Je vous aime. Écoutez. Écoutez et jugez vous-même. Voyons. Écoutons. Écoutons. Et jugeons. Depuis l'instant où dans mes bras je vous reçus toute tremblante, votre image douce et charmante nuit et jour s'attache à mes doigts. Mais monsieur, c'est de la mémoire, et voilà tout. Attendez, vous n'êtes pas au bout. À mes aveux, vous pourrez croire. Voyons, écoutons, et jugeons. Le beau pays de mon enfance, les amis que je cherche.
Et avec moi encore. Il a beau dire, il n'est pas votre père à lui tout seul. Et si les autres me donnent leur consentement. En plein, monsieur, me bravez en face, moi, Sulpispano, dit le grognard. Si ce maudit tyrolien rôde encore par ici, je le fais arrêter comme partisan et fusiller incontinent. C'est affreux ce que tu dis là. C'est d'un mauvais cœur, c'est d'un tyran. Et si le régiment pense comme toi, je vous quitterai tous. Ça n'est pas vrai.
Paris. Je suis libre et je suis ma maîtresse. C'est ce que nous verrons. Qui nous appartient? Voici l'officier en question. Il est fort laid, mais très aimable. Oh, rien que l'habit me fait mal au nerf. C'est un assuré. Je le fais arrêter, je l'envoie à Innsbruck, et dans le 24 heures, fusillé. Oh, fusillé? C'est madame la marquise qui. Ils sont drôles de capitaine ici. Oh oui, monsieur le capitaine. Non, ça commence. C'est madame la marquise qui voudrait vous... Monsieur le capitaine. Eh tiens. J'allais partir pour continuer ma route. Madame la marquise, ne faites pas... Silence, Dorian. Oui, je voulais retourner en Bavière, dans mon château, mais ces montagnes avec ses soldats, j'ai peur. Vous êtes des bras, on ne va rien de vous. Je vais donc penser que vous pourriez peut-être me faire accompagner par quelques-uns de vos soldats jusqu'à mon château de Berkenfield. Sapre-le, Robert. Berkenfield. Berkenfield. Mais c'est le nom mentionné par le capitaine Robert. Le capitaine Robert? Oh mon Dieu. Vous l'avez connu? Oh, beaucoup! Oh non, c'est-à-dire, pas moi, une parente, ma sœur. Et cette sœur, elle existe encore? Oh non, elle n'existe plus. Mais de ce mariage avec ce Français naquit un enfant. Une fille. Comment savez-vous? En effet, une pauvre enfant que le capitaine m'adressait avant de mourir. Mais le vieux serviteur à qui elle fut confiée, perdu dans les tourments de la guerre, y perdit la vie. Et la seule héritière de mon nom. Votre nièce. Perdue, abandonnée, écrasée dans la foule, mort. Sauvez madame de Fickenfeld. Sauvez grâce à vous. Oh mon Dieu, soutenez-moi. Où est-elle, savez-vous? À l'avant. Oh, monsieur, rendez-moi ma nièce, mon enfant. Car vous avez la preuve, n'est-ce pas? La preuve, elle est là, dans mon sac. Une lettre que je n'ai jamais pu lire. Mais avec ça, on ne doutera pas de ce qu'est notre mari. Marie. Elle s'appelle Marie. Attention, la voix. Grande, on fait soif, ces gaillards-là. Oh, elle jure. Imboud. C'est à moi de faire les premiers pas. Sulpice, mon ami. Plaît-il? Faisons la paix. Tu sais bien si je vous aime tous et si je voudrais jamais vous quitter. Oh, cette fille-là, une baronne. Donnez-moi la lettre, monsieur. Eh bien, tu m'en veux encore? Tu détournes les yeux. Non, non. Mon petit, je ne t'en veux pas. Mais... Tu seras toujours une bonne fille. Tu ne nous oublieras pas. Vous quittez? Vous? Mes seuls amis, ma seule famille? J'ai tout lu, monsieur. Cette lettre est bien du capitaine Robert. Que dit cette dame? Elle dit, mon petit, que tu es sa nièce. Et que voilà ta tante. Oui, madame la marquise. Marie, notre enfant, que nous avons adoptée, et qui sans nous se sera trouvée orpheline, abandonnée. C'est bien, vous êtes braves gens. Il faut l'enlever à ces gens-là. Le plus vite possible. Ma nièce, vous allez me suivre à l'instant. Vous suivre? Mais abandonnée, mais de quel droit, madame? De celui que m'a donné votre malheureux père en mourant. Lisez ce qu'il m'écrivait. Eh bien, oui. Avez-vous du courage? Je partirai. Mais vous viendrez tous. Thank you.
amour qui m'a tourné la tête, que désormais me rend un héros. À quel bonheur, oui mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, seul pour qui je respire, avec vous aligné sourire, et ce doux espoir de bonheur trouble ma raison et mon cœur. À mes amis, qu'elle joue à la tête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, qu'elle joue à la tête, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher. À mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Le camarade est amoureux. Messieurs son père, écoutez-moi, écoutez-moi, car je sais qu'il dépend de vous de me rendre ici sans époux. Notre vide qui nous échelle n'est pas guettable. Dans cet instant, je viens de m'engager pour cela seulement. Toi, dis pourquoi, messieurs son père. Toi, dis pourquoi, messieurs son père. Toi, dis pourquoi, messieurs son père. Toi, dis pourquoi, toi, dis pourquoi. Thank you.
Thank you.
Cède et abandonne au duc Scipion de Krakentorp, son neveu, son fief et sa baronnie de Krakentorp, rapportant 10 000 florins de rente. Très bien. Vous écrirez que de mon côté, j'avantage ma nièce de ma terre seigneuriale que de Berkenfield. À merveille. Nous sommes d'accord sur les autres clauses. Faites en sorte, monsieur le notaire, que le contrat de mariage soit prêt à être signé ce soir. Je ne veux pas retarder l'honneur que madame la duchesse aille faire à ma famille. Ajoutez que sa majesté le désirait
Et que sa volonté! La voiture de madame la duchesse. À ce soir, madame la marquise. À ce soir, madame la duchesse. Je ne permettrai pas, madame la marquise. Me permettez, madame la duchesse. Madame la marquise. Madame la duchesse. Majesté. Mais Marie vous écoute. Grâce à moi, son ton, ses manières soldatesques ont presque entièrement disparu. Vous m'avez aidé à la rendre plus docile. Merci, ancienne. Comment l'ancienne? Oh, bien, bien, c'est une expression militaire. Ah, bon, bravo. Et j'ai pu lui donner pour époux l'illustre duc de Krakentorf. Un fameux nom. Et Marie? Mademoiselle Marie. Elle a consenti, bien sûr, mais sans empressement. Aussi, je compte sur vous pour lui donner du courage. Nous signons ce soir. Un mariage au pas de charge. Mais la calomnie, mon bon Sulpice, c'est la calomnie. On cherche à persuader la duchesse que Marie est gauche, mal élevée. Si l'on se doutait de son passé... Vivolière, une future duchesse. Taisez-vous au nom du ciel. Je veux que la voix de Marie les surprenne et les ravisse tous. Silence, la voici. Comme elle a l'air gaie pour un jour de noces. Bonsoir, Sulpice. Oh, que de grâce, que de modestie. Et qui se douterait qu'il y a un an, cet enfant-là, Manix. Manix, vous savez, c'est une romance nouvelle d'un nommé Gara. Vous connaissez, maître? Non, ça ne fait rien. Un demi chanteur français, mon bon Sulpice. Crier, l'air doit être belle. Sujet ravissant, et les amours de Cypris. Cypris? Je connais pas. Commençons, commençons. Chantons. Allez, couteau. Allez. C'est bon, recommençons.
les soupirs de la belle. Duchesse, princesse, que sais-je? À ce mariage, il n'est pas encore fait. Allons donc, si ton prétendu est un brave homme, tu l'es moins. Je crois pas. Si fait, ça viendra. C'est que c'est déjà venu pour un autre. Nous y voilà, le tyrolien. Le pauvre Togne. Allons donc, est-ce qu'il pense toujours à toi? Les soldats, ça mène le sentiment en combattant. J'en ai peur, tu as peut-être pas raison. Alors, de désespoir, j'ai promis de me marier. Avec qui, je n'en sais rien d'ailleurs.
D'ailleurs, ça m'est égal. Ah, Eudique, mon enfant. Dites donc, grenadier. Oh, voilà ce vieux hibou. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un grenadier qui vous demande. Qui ça? Madame la marquise. Oh, mais non, grenadier, enfin. C'est un soldat avec une épaulette en or. Oh, bon.
Les voitures du service. Chaque maman, Michel, prends à manger la pelle. Mademoiselle, pas un. Antonio. Oui, Antonio qui les a conduits jusqu'à vous. Antonio, que c'est bon de vous voir quand on se croyait oublié. Mais regarde le nom, il a une épaulette. Quand on veut se faire tuer, on avance. Et c'est pour camarades qui sont bien fatigués. Et bien espérés, sans doute. Il faut les faire boire à la santé. Bien volontiers. Hors consus. Mais si ma tante revenait. Aucune importance. Ils vont aller dans l'orangerie, au bout du parc. Hortensius ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais des camarades à qui tu vas donner le meilleur vin de la classe de matin ! Oh, mais oh, par exemple ! Tu as entendu ? Demi-tour et marche ! Oh, mais comment demi-tour et marche ? Mais qu'est-ce que c'est que cette manière-là ? Je ne marche pas ! Je me révolte ! Je me surrectionne ! À moins qu'on m'enlève ! Enlevez-le ! Je m'énerve ! Quitter Marie à présent ? Jamais. S'il le faut, je la demanderai à la marquise. Et si l'on me refuse... Qu'est-ce que tu diras ? Eh bien, je dirai ce que je ne voudrais pas dire. Je dirai ce que m'a confié mon oncle, le bourgmestre de l'Estriche, chez qui je me suis arrêté en venant. Je lui ai tout conté, mon amour, mon chagrin de la naissance de Marie. Et le brave homme m'a révélé un secret. Un secret ? Oui, un secret. Mais j'ai promis de garder le silence, à moins qu'on me force de parler. Oh, la marquise est de retour. Entendu. Et les autres qui sont là à boire. S'ils se rencontraient avec la famille de la duchesse, ce serait terrible. Allez, va-t'en, va-t'en. Non, pas par là. Pas des corps au boulevard. Allez, adieu, Marie, adieu, adieu, adieu. Comment? Que sont-ils ici près de ma nièce? Sulpice, vous êtes...
moi de grâce. Soit aimée d'un honnête homme. Marie Magnès est promise. Dans une heure, nous signons le contrat. Ainsi, madame, vous me renvoyez, vous me chassez. Je ne vous retiens pas. Ça se ressemble, mon bonhomme. Très bien. Puisque vous me défendez de revoir Marie, je suis dégagé de ma province. Que signifie ? Ça signifie que mon oncle, le bourgmestre de l'Estriche, qui connaît votre famille et toutes celles du canton, m'a confié un secret. Monsieur. Le capitaine Robert n'a jamais épousé votre sœur. Oh, je... Attendu que vous n'avez jamais eu de sœur. Que dit-il ? Marie est libre alors. Elle est la fille du régiment. On a trompé pour lui enlever son enfant d'adoption. Madame, Marie, mon enfant, je vous en conjure. Ne croyez rien de ce que vous dit cet homme. Nous reviendrons tous ici pour la chercher. M'enlever Marie ? Jamais ! Et le fait est qu'ils en auraient le droit. Vous aussi, mon bon Sulpice. Marie, mon enfant, si vous avez
quelque affection pour moi, vous m'écouterez, vous m'obéirez. Rentrez dans votre appartement. Allez. Restez, Sulpice. Mon Dieu, que va-t-il se passer? Mon bon Sulpice. Il y a des secrets qui brisent le cœur. Vous ne m'abandonnerez pas. Que va-t-elle me dire, mon Dieu? La haute noblesse du pays. Son désir de me voir épouser un homme de mon rang m'avait condamné au célibat. J'avais 30 ans et, quoique belle, j'étais libre encore. Pauvre fille. Le capitaine Robert m'avait vu et mes faibles attraits. On dit qu'il était charmant. Je l'aimais. Je l'ai suivi jusqu'à Genève et quelques temps après, je revins l'attendre au château. Mais j'y revins seule, sans elle. Elle? Qui elle? Mais ma fille! Marie! Comprenez maintenant pourquoi je tremble pour mon secret. Et comprenez aussi que m'enlever Marie serait m'enlever ma vie. Oh, on ne vous l'enlèvera pas, madame la marquise, on ne vous l'enlèvera pas. C'est mon honneur que je vous ai compris. Un cœur de soldat, ça ne trahit jamais. Madame la marquise, la société commence à venir. Le notaire est dans la bibliothèque. Oh, et les autres qui sont là-bas. Oh mon Dieu, Sulpice, mon ami. Allez trouver Marie. Je compte sur vous, mon bon, mon brave Sulpice. J'y vais, madame la marquise, j'y vais. Son service à la cour m'a fait remettre sa procuration. Procuration par laquelle il consent à s'unir à mademoiselle Marie de Berkenfield. Tous les articles du contrat étant arrêtés entre les deux familles, il ne nous reste plus qu'à signer. Signer ? Mais madame la marquise et votre nièce, on ne se conduit pas ainsi avec la première noblesse du pays. Je me sens mourir. Marie, mon enfant. Prenez garde, on a les yeux sur vous. Maintenant, j'obéirai. Ce contrat donné, je suis prête. Thank you.
Marie, mon trésor est Marie. Le mariage vient, on voudrait me Marie, mon trésor est Marie. Ne dois plus me taire. Marie était vivotière et la fille du régiment. Il y a dans la vie des peuples des moments solennels où l'honneur national violemment excité s'impose comme une force irrésistible, domine tous les intérêts et prend seul en main la direction des destinées de la patrie. Une de ces heures décisives vient de sonner pour la France. En présence des nouvelles prétentions de la Prusse, nos réclamations se sont faites entendre. Elles ont été éludées et suivies de procédés dédaigneux. Notre pays en a ressenti une vive irritation et aussitôt, un immense cri de guerre a retenti d'un bout de la France à l'autre. Il ne nous reste plus qu'à confier nos destinées au sort des armes. Objet de nobles vœux, prends de ta mère cette bannière qu'illustrèrent tous tes aïeux. Mon fils, moi ta mère chérie, je t'en requiers. Ton Dieu, ta dame, ta patrie, autre ne sait.
Allons, debout, citoyens et soldats. Debout, c'est l'heure des combats. Vive la France!